Salut tout le monde, ici Neko. Et moi c'est Koshnik. Aujourd'hui on se retrouve sur Last Day of June. Ah, une des bonhommes sans yeux. Ça non mais ils ont des trucs renfoncés là. Oui. Qui fait office de... C'est les orbites en fait. Et c'est un jeu, on va dire narratif. Attends, tu m'expliques. Avec une histoire d'amour. Avant de commencer, le mec, il a... tu sais qu'il a des lunettes mais il n'a pas d'œil, mais il a des lunettes. Ben oui. C'est con. Franchement, c'est bête. Mais ils sont bien faits les personnages, mais la logique n'est pas là. C'est bon, les touches sont bien configurées, c'est bon. Hein. C'est incroyable, le jeu est bien configuré. Pour une fois. Non, on peut jouer à la manette. Oui, on peut jouer à la manette. Mais pas aujourd'hui. Donc, on commence l'histoire. Commençons. Et voilà, on est directement dans le jeu. Donc, nous avons... Oh, c'est mignon, le mec qui caresse les cheveux de la fille, se donne un bisou. Ils ont pas de bouche non plus, mais bon. Mais ils donnent un bisou, c'est trop mignon. Oh, elle a froid. Oh, c'est trop mignon. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait montrer la voiture. Donc, direction la voiture. Donc, pour on appuie sur fille. E pour se lever. Donc. Ce sont des adultes ou toujours des enfants? Non, des adultes. À la froid, à la froid, à la froid. On va vite aller chercher alors. Oui. C'est pas un jeu triste, hein? J'espère pas. Ah, on peut récolter des fleurs, on va porter les fleurs. Hein. Un petit cadeau juste avant. C'est un cadeau pourri. Bah non, regarde, elle est jolie la fleur. Moi j'aime pas les fleurs en fait. Elle est très jolie. Mais ouais. Il faut savoir que c'est une des rares filles qui n'aime pas les fleurs. Regarde, tu vois, elle aime bien. Regarde, elle l'aime bien. Ah oui, ça lui va bien, c'est vrai. Allez. C'est vrai que j'aime pas les fleurs. On peut courir? Non, c'est on peut joli, pas courir. Mais ça ne dure pas les fleurs. On ne peut pas courir. Mais c'est pas une histoire très. On peut lui offrir la deuxième. Il va cueillir toutes les fleurs de l'île du jeu. Il va désherber que... le bazar. Oui, on peut lui donner. T'es sérieux? Ok. La jaune lui ira mieux, je trouve. Bah non, la mauve lui va mieux. Hein. Mais non, ça va bien avec sa robe. Ah, la mauve, ça ressort plus. Oui, mais ça va bien. Ça, ah, ça s'harmonie mieux non, avec ça. Je préfère la mauve, moi. Ça s'harmonie mieux aussi, la mauve. Êtes-vous d'accord avec moi ou avec le cochonnet? Laquelle des fleurs lui va mieux? Tu veux une verte? Dis-le sérieux. On va accueillir toutes les fleurs. Attends, des bleus, j'attends. Oh, ouais. Dis, ça va, hein. C'est une bleue, tu veux pas une bleue? On va aller peut-être lui chercher sa, ouais, sa blouse ou je ne sais pas trop quoi. Elle veut un truc qui arrange par des fleurs. Bah ça réchauffe le cœur. Non, pas le mien. Bon, à mon avis, c'est moi le chauffeur. Ce qui réchauffe le cœur, c'est les gens qui m'offrent une mousse au chocolat. Généralement, c'est... Ça, ah oui, on peut, cœur, on peut bouger la caméra, d'accord. J'ai cru qu'on ne pouvait pas. Donc, je m'en doutais. Hein, c'est plus romantique si c'est le... Si c'est l'homme qui conduit la femme au bord de l'eau, c'est plus... Pourquoi est-ce que c'est romantique? Mais c'est plus romantique, c'est galant, tu vois. D'où est-ce qu'une femme a besoin d'être conduite? Mais c'est galant. C'est galant, c'est vrai que c'est mignon. J'avoue que c'est mignon. C'est pas macho, c'est galant. C'est pas macho, bah non, c'est pas macho. Par contre, les graphismes sont beaux. J'aime bien l'effet. C'est vrai que c'est mignon. Ça fait un effet peinture, tu vois. Non, pas que je reconnais qu'il n'aime pas la galanterie. Mais non, c'est mignon. Donc, on va donner... La petite veste. Ah non, le petit... allez, comment on appelle châle. Ça? Voilà, un châle. Un petit châle. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle dessine, en fait? Depuis tantôt Ah, on peut pas regarder. Pas encore. Ah. Et c'est... Et c'est la langue. Oh, c'est mignon. Elle dessine bien, la meuf. Non, mais je la meuf. Non, mais elle dessine bien, c'est une artiste. C'est une artiste. Ah, oui, tu m'étonnes aussi. Elle est artiste. Ah, c'est pour ça qu'elle s'est oui. Pour s'inspirer. Et oui. Et son mec avec un et un cadeau. Oh. C'est comme la cochonnette quand je lui offre un cadeau. Ça me fait trop rire. Mais c'est nous deux, voyons. Bah oui, mais franchement, je trouve. C'est le cochonnet qui a l'année. Ça en fleur à côté toute notre vie, je trouve que ça nous ressemble, franchement. Donc voilà. L'homme, on va l'appeler Koshnik et la femme Neko. Par voilà. Contre, c'est un surnom. En vrai, c'est un surnom parce qu'après, donc ça oui, Koshnik, non, mais les gens ne sont pas bêtes. Hein. Ils le savent. Oui, c'est jamais. Hein. Donc, je suis en train de dormir. Ah, mais non, c'est la femme. Tu dois des lunettes, le mec. Elles prennent la taille de la table, ces lunettes.
Ça, c'est de la lunette de compète. Mais je te jure. Mais regarde, elle le regarde dormir, c'est chou. Ah. Ah, et là, on joue la femme. On joue Neko. Donc, la maison... Ah, il y avait un truc. Ah oui. On peut regarder. Par contre, la Neko, je suis pas... Ah, ah, c'est dans tous les tableaux, hein, quand même. Monsieur, t'es une artiste. Mignon. T'es une artiste. Non. Alors, on a une sorte de canard qui tient, je ne sais pas trop quoi. On s'est zoomé. Non, enfin, on ne peut pas zoomer. Suis... Oh, ah, tu vois le tableau qui m'intéresse, si. Donc, on voit qu'il y a un petit garçon, un chien. Il y a quelqu'un qui nous deux, la blonde, le chasseur. Ah, la blonde, et c'est le qui grand-père. Alors, ah, je suis sûr que là il y a un trucage photo, j'en suis certain. Ouais. Et tu en plus le cochon qui est binoclard, en fait, c'est vrai qu'il a des lunettes aussi. Et oui. Ah, bah tu vois, qu'est-ce que je disais, c'est une artiste. Bon, forcément, à mon avis, je crois qu'on avait compris au moment où on a vu toutes les photos, peinture plutôt. Ah, il y a quelqu'un. Son blanc est venu, ça quand? Quand ça toquait. Oh, le cadeau. Encore? Mais non, c'est le gars, c'est le cadeau. Ah oui. Chut, faut pas réveiller le cochonnik. Il dort. Et on rigole pas, ok? Donc on va sûrement faire un let's play sur le jeu. Il est bien parti si quand le... je kiffe le jeu. Lui. Bah si le jeu n'est pas trop court, ça ira. Bah oui, il kiffe le jeu. Lui. Donc chut, il faut aller mettre le cadeau quelque part. Quelque part, c'est une surprise. Bon, sur la table. Voilà, laisser quelque chose sur le feu comme ça. Tu appelles ça planqué, tu vois. C'est très planqué, attends. Je pense qu'elle veut faire quelque chose. Ah oui, c'est joli, mais non. Là, non. Bon, par contre, elle a quand même laissé les couverts comme ça. Non, ça fait un soleil. Bah, justement, c'était pour ça qu'elle voulait. Sérieux? Elle est artiste, elle a de l'imagination. Ah, il y a quelque chose. Oula, je pense que ça, c'est lui qui a dessiné. Ou lorsque peut-être le petit elle garçon. Elle est jeune. Non, très jeune. Non, elle regarde. Bébé, elle est sortie du berceau. Mais non, regarde, il y a un petit garçon qui jouait dehors. Je sais, on dirait que je jouais avec une tête de mort, par contre. Je pense que c'est pas une tête de mort. Regarde, attends, essayons de voir. Il joue au ballon. Il joue au ballon. Ah, regarde, bon, il y a un ballon à côté de lui. Peut-être de leur fesse. Oh, je ne pense pas non plus. Ils sont pas d'image de renfort. On peut pas sortir, d'accord. Bah pourquoi ça servait les autres, on peut pas sortir là. Ah, bah voilà, qu'est-ce qu'on... Ah bah si. Tu vois, on a... Bah non, mais on a les portraits de tout le monde en fait. Ah ouais, c'est peut-être la photo. Ils doivent avoir un enfant. Donc, qui est la blonde? Vu que moi je vais avoir le cochonnik, eh ben, on ne sait pas qui est enfant. La blonde. On l'appelle la blonde, voilà. Bah ça va pas. Bah excuse-moi, elle est blonde. La voilà. Brune, tu l'appelles la brune. Exactement. La rose, la rose, mais non. La noire. La brune. La... On l'appelle Neko, des... c'est Neko. Celle voilà. Qui fait des cheveux verts, c'est la ah, verte. On peut le mettre ici. Ah les briques. Les friandises. Les friandises, oui pardon. Et attention, magie, elle a fait un cœur en friandises, sans prendre les friandises qui étaient dans le pot à côté. Et c'est un peu la création, c'est carrément de, c'est de la télépathie. Ah, elle laisse quand même. Mignon, le cœur de friandise, c'est bien, mignon. Le mec, il va pas se douter qu'il y a quelque chose de prévu, quoi. Non, tout va les bien. Couverts mitres, un peu bizarre. Ah, ouais. Ah. Par contre, c'est joli, mais spécial. Hein. Ah, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? De cacher dans un tiroir. Ah, bah non, sur l'armoire, avec le coussin qui fait un cœur. Et elle fait des cœurs avec tout. Bah, c'est mignon, les cœurs. Tu m'expliques quand même comment elle a fait pour faire un cœur avec un coussin comme ça. Elle l'a modelé, c'est pour ça. Moi, je crois qu'elle allait fort quand même. Elle très est artiste. Bon, on va aller au bout du couloir avant d'aller là. Vu que j'ai vu qu'il y a une place pour un cadeau juste là. Et qu'il y a la photo de... Ça lui ressemble. Non, c'est le grenier. Je dirais l'atelier où il y a la toutes ces carton. Toiles. Non, c'est les toiles. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est son atelier. Ouais. L'atelier était en bas. Non, c'est son métier, elle est peintre. Oui. Ah, on peut le mettre ici, juste à côté de, ah, du lit, nounours. Avec le nounours. Dans un tiroir. Est-ce que tu sais mettre un foutu emballage dans un tiroir? Oh, avec la peluche, justement. Avec ah, la peluche, c'est mignon. C'est mignon. Oui, ça le fait. C'est mignon, mais non. Mais non, mais non, mais... Ah, mais si, mais si. Elle n'a pas, elle n'a pas le... l'inspiration. Dans la garde-robe. On se cache dans la garde-robe. Surprise. Surprise. Et bam, tu tombes. La crise cardiaque. Ouais, c'est vrai, ça, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Ben non, ça c'est une bague de fiançailles.
Non. Bon, par contre, elle est quand même à l'opposé de la baraque. Je pense qu'il y a moyen quand même de... Dans ton atelier. De marcher tranquillement. Bah, ah oui, l'atelier est là. Oh là 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 là. Est-ce que c'est le bon? Je pense que oui, vu le portrait là, juste à côté, tu vois, du ponton qu'on a vu. Et vu qu'elle l'a donné là, je pense qu'il y a moyen que ça soit là. Et vu le petit dessin juste en bas, je pense qu'ils se sont rencontrés là, justement. Ce qui ferait que ça serait très mignon. Elle donnerait son cadeau là où ils se sont rencontrés. C'est vrai, c'est mignon. Ah! Alors, 7! Ah ouais! Là, c'est quand je n'ai gagné Nico. Soit en 7! Soit en 7! Et hop! Foutu bébé! Fille garçon, on s'en fout! La fille absolument pas folle. Et donc, voilà, maintenant on sait pourquoi. C'est trop mignon! Ah! C'est de quoi ça? Il a sursauté, il a. Un cochon. Les tirs. Les tirs, il y a des tirs. On chasse? Eh oui! Non, pas histoire triste, s'il vous plaît. Ah non, non. Mais non, il regarde. Ah ben voilà, c'est le chasseur avec son chien. On est d'accord qu'il est un poil dangereux quand même, parce qu'il tire en pleine ville. Ah. Ah ben tu vois, c'est bien un ballon. Non, il a pas le temps. Ah, tu vois, c'est Nico. Écoute bien. Nico, tu vois ça. Tu vois, c'est Nico. Rien à voir. Si, si, j'en suis sûr. Bon, on va avoir la petite assiette. Non, il dit rien de spécial et il la voit, mais. Oh, ça, le Nico l'a habitué. Là. Ah oui, hein, il est fort. Hein. Il a des bras pour avoir cette bosse-là, ça c'est sûr, ça se voit. On dirait plutôt que ça fait piquer par un moustique. C'est ça quoi. Il s'est fait piquer par un moustique et il fait croire. Ah. Ah, bah c'est la blonde! C'est qui la blonde? Je sais pas. Bonjour. Ah, ça c'est. C'est quoi qu'elle dit en main? Ah, un ouvre-boîte. Le vieux modèle. C'est qui elle? Je sais pas, on va dire. Elle veut draguer ou quoi? Donc elle veut draguer? Non, elle a rendu l'ouvre-boîte, je dirais. Ben, vu qu'on a vu le chasseur et qu'il n'a pas l'air vraiment de la famille, c'est une famille entière, mais ils vivraient tous dans la même ville, ça serait... Non, bah ça oui, serait pourquoi pas. Ça serait plutôt le voisin, la voisine, bah, ben, elle-même, c'est la sœur, le petit garçon qui est de je sais pas qui, bah, leur fils a eu. Bah, et le grand-père. Ils sont tous dans la même ville, donc... Bah, cette même famille dans la même ville, ça se peut. Oui, non, mais la ville, il n'y a que eux. Ouais, ben, je sais. C'est déjà bizarre qu'avec des lunettes, les lunettes sont aussi grosses que la table, donc la logique n'est pas là. Oh, regarde le petit cœur. C'est mignon. Non, j'aime bien comme il marche. Pareil, ça me déplairait pas. T'as vu comme il descend et qu'il ça monte. Ça manque juste un peu d'animation. Regarde quand il monte. Ou quoi. En plus, c'est bon. Quoi? Quand il monte les marches. Bah, donc, King Kong. Ouais, je parle le plus. Hein. Est-ce qu'on peut aller voir la pluche d'abord? Ah non, le cœur. Oh, c'est adorable. Allez, va chercher la Par contre, ça explique... Ben non, elle est pas là. Elle l'a cachée ailleurs. Ben. Par contre, on voit qu'elle a fermé la porte. Elle se referme, en fait. Je sais que t'es là. Allez, la porte est ouverte. Ah. D'ailleurs, on peut tricher un petit peu. D'abord, dans la pièce. Oui, ben, on doit aller dans la pièce. Forcément, si la porte de la chambre est fermée, c'est qu'elle est... Ben, tu vois, genre, il active la clèche, tu vois, ça se fonctionne aussi. Non, non, ça fonctionne pas, là, dans ce jeu-là, tu vois. Regarde. Il se rappelle aussi. Il caresse tout, en fait. Il caresse l'eau. Ah, il a une idée. Non, c'est pas regarder que je voulais faire. Il a retesté aussi, le mec. Attends, ok. Ah, elle a le cadeau derrière elle, qui ne se voit absolument pas. D'accord, c'est super discret. C'est une baguette, quoi, mais le cadeau, il fait 3 fois sa taille. Mais c'est pas visible. À la limite, elle aurait carrément pu le cacher dans le panier de pique-nique. Donc là, direction le bord de mer. Encore ? Mais non ! Oh non, c'était le lac avant. C'est le passé en fait. Ça, c'est ce qui s'est passé avant d'être sur le bord de mer. Sur le.
Là où elle a offert le cadeau. Mais ça se passe avant, c'est comme ça. Et puis que là, on dormir. Voilà, et là, c'est là qu'on récupère le cadeau. Tu vois, voilà. On se retrouve là. Est-ce que c'est le présent ou pas? Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Oui. Voilà. Ah. Eh bien sûr. Une petite tempête. C'est fait exprès. Il ouvre doucement le cadeau. Pour pas qu'on sache ce que c'est, que lui non plus ne sache même pas. Ah, mais comment elle court! Il y a une tempête en fait, regarde, il pleut. Oui, mais j'adore comment elle court, on aurait dû encore vous faire un truc qui bondit là. Oh, il y a. Mais Corse. Non, moi j'ai vu ça. On dit! Allez, va mettre la fille! Mais je suis sûr, on peut y jouer. La galanterie, c'est plus trop ça là, tu suis plus la fille, tu suis le toboggan. C'est honteux. C'est chouette un toboggan. Je suis sûr, on pourrait la balancer. Elle s'assirait et on la pousserait. Elle devient une tempête, elle cherche à se protéger en fait là. Ah bon, c'est ça les gouttes. Voilà. Allez, cours. Ouais, je fais le tug live. Je marche pas sur le chemin. Bonjour, je suis là. J'arrive. Le cosmique qui fait son tug live. Et attention. Il met le cadeau à l'arrière. Genre, il est dans la voiture, il pourrait l'ouvrir, non? Bah oui, c'est que ça, je sais pas, ouvre-le. Ah, il va l'ouvrir. Ah bah non, il est dans la voiture. Vrai. Oh, ça démarre pas. Et bien sûr, il y a ça... un ours qui va arriver. Ah, ça démarre. Oula. Ah, accéléré. Ah d'accord, c'est moi qui conduis. Allez. Je vais me prendre un arbre, tu vas voir. Attends, en fait, ben non, en fait, pas du tout. Je peux faire semblant de conduire, en fait. Je peux tourner à gauche ou à droite, mais en fait, c'est... Ça reste sur la route. Forcément, logique. Tu ne peux pas faire demi-tour, genre. Non, regarde. Je peux tourner à droite, à gauche. Regarde, si je tourne à gauche, voilà, il me bloque, il me fait suivre le chemin. Ouais, bon, passons du bon côté de la route, ça serait bien. Même pas toi-même. Bah, on est sur la droite de la n'avance route. N'avance pas alors. Ça peut pas avancer. Pas plus trop qu'une touche. Ah ben. Et ben voilà. Juste au moment où on arrive au checkpoint de Last Day of June. Qu'est-ce qui s'est passé? On sait toujours pas ce que c'est la surprise. Et oui. Vous êtes toujours passé les recettes ou pas? Donc j'aimerais bien savoir. Mais c'est le dernier jour de juin. Et c'est fini? Non, ce n'est pas fini. C'est le début. Ah! C'est le début. Et donc ici, nous avons le petit chargement, enfin la petite sauvegarde automatique. Vroom, vroom, vroom. Et nous voilà sans nos lunettes en train de dormir, comme d'habitude. Hein. On commence à avoir l'habitude hein, de dormir. On se réveille. Allez, réveille-toi. Il n'y a pas de lit, mec. Ouais, c'est ça, il y a le lit en haut. Quoique, c'est vrai, le canapé, c'est confortable aussi. Hein. Ah, elle n'est pas là. D'accord. C'est parti. Mets tes lunettes, tu verras mieux. Mais de toute façon, pas des yeux. Mais si. C'est juste. C'est juste qu'il a pas des yeux. L'effet artistique qui bah est oui. comme ça. C'est bah tout. Oui, je sais, j'ai compris. Hein. Mais oui. Allez, lève-toi. Non, moi j'ai ce personnage. Même sans yeux, sans bouche, je serais bien fait. Oh, c'est oui, ça c'est. Ah, il y a un accident. Ah. Je commence à m'inquiéter. C'est. Bah non, c'est normal. Ah, je peux marcher. Je peux marcher. Sans jeu de mots. Tu peux. Pas tu peux. Je constate un détail surtout. Quoi? Bah les peintures, elles sont où? Ah ouais? Y a plus de peinture. Et la porte est ouverte là, c'est logique. Il a faim, donc on va aller directement dans le frigo. Hein? Y a plus rien à manger, ok. Bon bah, on va aller par là. J'ai jamais été. Ah, ok, d'accord, c'est... Bah, appuie sur E. Ouais, mais... Ok, on peut effectivement pas monter. Mais tu t'attendais à quoi? Je sais pas, peut-être bah, les... Ça, c'est jamais, oui. Ah, il veut pas ouvrir. Bah, pour... Et c'est l'atelier, en fait, là. Si je me repère bien, c'est l'atelier. Attends, la femme serait morte, ou pas? Bah, disons qu'il a eu un accident, c'est possible. Mais non! Bon... où est-ce que je dois chercher, moi? Ah, là, c'est juste.
Il avait pas l'air aussi haut que ça, en fait, quand j'ai appuyé sur E. Yep. Il a sa boîte de raviolis. On va dire que c'est des raviolis. Hein. Oui, pour des raviolis. Parce que t'aimes les raviolis. Oui, j'aime bien les raviolis. Oh là, vous serez que les meilleurs. C'est une ouverture facile. Le détail très intéressant de ta vie. Ben oui, mais il rate une ouverture facile, tu m'expliques. Non, j'en veux pas ouvrir la boîte non plus. Généralement. Mais il y a une ouverture facile pourtant. Ah, l'atelier. Allez, oh. Va dans l'atelier. Ah, allez, vas-y. L'ouvre-boîte. Enfin, allez, vas-y, Coco. Ouh. Courage. La détermination se voit dans ses yeux. Du ravioli. Allez, tu veux allons-y. Ravioli, va dans l'atelier. Voilà, il l'ouvre. Voyons voir l'intérieur. Ah, le même. Et oui, c'est... ça serait bien, mais bon. Je crois qu'il n'y a pas bien. Ah oui, effectivement, oui. Je suppose, je pense que là, on a bien compris qu'elle était décédée. Hein. Vu que tout est emballé dans des cartons. Mais... Allez, l'ouvre-boîte, il est où? Vu que c'est sûrement ça qu'il cherche. Vu que... Mais genre, la lampe, c'est bien. C'est pas une blague, c'est révolutionnaire, les lampes. Oui, attends, il n'y a pas un interrupteur quelque part? Mais là. Si, à l'entrée. Oui, mais là, c'est pour... Ben. On peut même pas... Bah, il en a pas besoin, il voit dans le noir. Voilà, c'est très bien. Alors, ceux-là au milieu, c'est sûrement celui-là, non? C'est de ta vision nocturne, en fait. Exactement, c'est pour ça qu'il en a besoin. D'accord. Donc, voyons voir. Non, toujours rien. Mais par contre, j'adore comme il y a l'air repousse, en fait. Il les éjecte et ils disparaissent, surtout. Ouais. Ah oui. Bon, il y en a juste là. Est-ce qu'il est là-dedans? Ah, bah oui. Non. La peinture de sa femme. Oh. Ah oui. Ouais, ça, ça fait peur. Ça va, au moins il a la même réaction que n'importe qui. Donc il n'y a pas eu de bébé. Se souvenir. R pour se souvenir, d'accord. On se téléporte. Oui! Dans le passé, sûrement. S'en fout. Moi, t'as avec j'en elle. Sais rien. On va voir ce qui s'est passé. On va donc voir ce qui s'est passé. Oh non, on va pas voir l'accident. Enfin, bah si, je pense que si. Le petit garçon qui jouait au ballon. Ah, on joue le petit garçon, d'accord. Ah, et le chien est là, d'accord. Tu sais, les gros chiens, il est plus gros que le garçon, on y met. C'est un bulldog. Hein. Bah, quand c'est bulldog, un gros bulldog. Quoi. Donc on voit qu'il y a des sphères bleues là. Tu vois, il y a un truc bleu là. Mais on peut pas passer par là pour l'instant. On peut que descendre. Faire le contour de la tête. Ah oui, bien sûr. Ben oui, logique. Logique. Hein. Quoi? Ben, le ballon au milieu de la route, excuse-moi, mais bon. Je te rappelle qu'il y a les deux amoureux qui reviennent de la plage. Enfin, de la mer, de l'océan ou je ne sais pas quoi. Et c'est l'accident. À cause du petit garçon. Qui n'a même pas fait exprès. Je vais le tuer. Oui. Bah non, parce qu'il n'a même pas fait exprès au fond. Oui, c'est sa balle qui était au milieu de la route. Et il serait prêt à passer pareil. Putain, c'est con en fait. C'est vraiment con en fait. Eh oui. Ah, et la Neko a disparu pour laisser place à ballon. Mais c'est vraiment con. Eh oui, c'est bête. Bah attends, ouais. qu'est-ce qui se passe? Aïe, ça électrocute. Attends, il est persévérant. Et le garçon, il doit culpabiliser à mort. Ah oui, il se reprend une décharge. Et est-ce qu'il va se reprendre une? Ben oui. Ben oui, il se reprend encore des décharges. Il est un petit peu sado sur les bords, tu vois. Bah. Il aime se prendre des décharges électriques. Ah, tous les tableaux s'allument. On va sûrement voir les souvenirs de chacun, non? Oui. Oui. Allez, Et je pense que une fois qu'on aura fait celui-là, on s'arrêtera pour cette première vidéo sur Last Day of June. Ah, on a des petits souvenirs fantômes. Nous deux sur le puits. Ah, oh, c'est mignon. C'est mignon. Ah, une peinture, la peinture du chasseur. Nous savons pas la peinture de la blonde.
Nous avons la peinture du petit garçon. Pourquoi le petit garçon? Ah bah oui, pour vivre ce qu'il a vécu cette journée-là. Le grand-père. Et il manque pas le chasseur? Non, le chasseur, on l'a vu, c'est vrai. Ah, elle nous appelle. Elle est là. Mais je pense que... on va s'arrêter là pour l'instant. Ouais, on verra ça. Pourquoi nous appelle dans la prochaine vidéo. Et oui, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et si vous voulez voir la suite au plus vite. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre toutes nos prochaines et nos précédentes vidéos. À mettre un petit j'ai, voilà, de l'ami. Oui, à laisser un petit ou un grand commentaire pour dire ce que vous pensez du jeu. Par toutes nos vidéos en général, voilà. Et vous conseillez vos avis. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux avec vos maximum amis. Même. Il y a un maximum. Bah, ça, c'est toujours voilà, ça. Voilà. Et on vous dit... à très bientôt, portez-vous bien. Nobody else, so we can be free.